Bonjour. Bonjour. Salut, bienvenue dans le QG. Alors, aujourd'hui... Tu es beau, Guillaume. Tu es... Mais... C'est très beau, je trouve. Jimmy, tu es... Magnifique, peut-être. On a... On peut le dire. Jimmy Labeu, messieurs dames. Merci. Guillaume Plet. Merci beaucoup. Alors, on a un décor aujourd'hui... Assez spécial. QG un peu particulier. Exactement. Alors, je sais que vous aimez beaucoup les histoires avec les espions. On avait fait Olivier Mas, qui était espion de la DGSE, donc les services extérieurs français. Cette fois-ci, on a essayé de faire quelque chose de différent. On a invité quelqu'un du KGB, donc de Russie, un espion russe, Sergueï Zhirnov. Bonjour. Bienvenue. Alors... Quand on était dans le couloir pour attendre, il était comme ça, il m'a dit, j'ai d'accord. La lumière comme ça. Ouais, prenez votre temps. Alors, on a fait un décor exprès pour vous, et regardez en fond, spécial, voilà, le QG avec plein de mots russes qui défilent. Bravo, Garfis. On peut aller se mettre là-bas. Mais vous avez vraiment la tête de l'emploi, vous. Cette phrase. Ah oui, vous faites vraiment espion russe. Ça, c'est mauvais, ça. C'est... Ça veut dire que... En fait, là, je suis brûlé, déjà. Maintenant, vous êtes cramé. Bah oui, maintenant, vous êtes là. Eh oui. Vous avez sorti un livre, alors, qui est original, puisque vous faites un livre sur les services secrets russes KGB et DGSE. Vous êtes deux espions à écrire ce livre. Et vous partagez, en fait, vos histoires d'espionnage pour comparer les services français et russes. C'est un truc unique. C'est un truc... On a regardé un tout petit peu avec notre éditeur. Ça n'existe pas. C'est le premier livre dans le monde où on prend un officier supérieur russe et un officier supérieur français, on les met ensemble, face à face, pour comparer les services. C'est la première fois. Donc il s'appelle François Varou et Sergueï Zhirnov. Voilà, chez Mareuil Éditions, si vous allez chercher le livre. Merci. Je vais le dire un peu. C'est pareil, je l'ai vraiment lu. C'est bien noté. J'ai fait semblant en 3 minutes, j'ai mis du stabilo. Non, pour de vrai, j'ai vraiment cherché. C'est ta secrétaire qui a mis du verre juste pour nous montrer là sur le plateau. On va commencer juste rapidement par le CV de l'invité. C'est des toutes petites questions simples, réponses simples, ça va être tranquille. Mais comme il a bien préparé, c'est ça. Ce que je disais avant dans la loge, il vient, il me dit Ah Guillaume, tu connais Faustine Bollard, tu étais avec elle sur M6, il m'a fait des liens directs pour se rapprocher de moi. Et comme il parle tout le livre de la manipulation des gens, il est très fort. Okay. Question, vas-y. Alors, toi aussi, t'es très fort, hein, parce que t'as compris tout de suite. Oui, Alors, nom, prénom, âge, tout simplement. Sergueï Zhirnov, 59 ans, à une semaine près. Profession. Espion. Putain, c'est génial. C'est génial. Je suis espion. Après, plusieurs métiers, en fait. Premier métier, économiste international. Okay. Premier métier. Deuxième métier, espion. Troisième métier, énarque. Ah oui, il s'est fait l'ENA. Bah oui. C'est infiltré l'ENA, l'école française qui va bientôt fermer, je crois. D'ailleurs, il le ferme à cause de moi. Ah, c'est ça. Mais je vais vous le raconter, ça. Parce que j'ai infiltré l'ENA. Ouais. Presque. Ah ouais. C'est l'école qui forme les grands... C'est eux qui forment tous les ministres, la haute administration. Et ça fait bien toi. Et parce qu'en fait, ils m'ont invité, c'est eux qui m'ont supplié de rentrer dedans, un espion. Donc, moi, j'étais super content quand ils m'ont proposé. Attends, on va en parler après, parce que c'est une grosse histoire. Okay. Vous allez voir les histoires qu'il a vécues, c'est assez dingo. Okay. Alors, profession des parents. Ingénieur, tous les deux. Ok. Lieu de naissance, vous êtes né en France ou à... Moi, je suis né à Moscou. Je vais prendre peut-être un accent russe pour faire vrai, parce que les gens vont dire, c'est pas un russe, c'est une blague. Bah, le problème, c'est que souvent, quand on a des gens qui ont des vies incroyables, les gens disent, c'est pas possible, c'est du mytho, c'est impossible. Oui. En fait, le truc, c'est, pour moi, c'est vachement facile, parce que je suis le seul espion qui a les preuves d'appartenance au service d'espionnage. Points sur le permis de conduire. Tout. Tous les points, j'ai jamais perdu de points. Parce que je ne conduis pas. Ah, si, voilà. Est-ce que vous avez... Parce que ça on apprend ça à l'école. Pas faire d'écart. Dans le livre, on raconte... L'école du KGB Oui. Dans le livre, on raconte, en fait, de KGB ou de la DGSE, c'est pareil. La première chose qu'on t'apprend quand t'es espion, il faut respecter les règles du pays. Ça veut dire, si c'est marqué 50, tu seras le seul à rouler à 50. J'ai plein de questions à poser, parce que ça vraiment... En plus, le KGB, c'est une espèce d'image très dure de service secret les plus violents de la planète.
C'est une image. En fait, on a hérité, on a un mauvais héritage. Déjà, on a le Staline, le système stalinien. NKVD, c'est encore pire que la Tchéka, c'est encore pire que le KGB. Hein. La Tchéka, c'est la commission extraordinaire qui a été créée juste après la révolution d'octobre, qui a le droit de fusiller n'importe qui sans passer par la cour. De fusiller ? Ouais. Ah oui, ouais, d'accord. Okay. Ou mettre en prison. Dernière fois que vous avez eu affaire à la police ? J'en suis... oh, en fait, même si... Si. Il a cherché son mytho pendant 3 secondes. J'en sais rien. C'était la semaine dernière parce qu'on m'a fracturé mon casier à ski. Là où j'habite, donc dans mon immeuble, il y a 28 casiers. J'ai l'impression qu'il travaille à la montagne. Dans le local. Je pensais qu'il disait un mot russe, casier à ski. Je cherchais. Je dis casier à ski, c'est quoi ça? C'est pas un mot. Ok, j'ai compris casier à ski. Okay. Non, le casier dans lequel je range les skis. Je range rien du tout. Et j'arrive à un moment donné, il y a le président de notre conseil syndical qui dit, c'est normal que ton casier soit ouvert? Il dit non. Donc, je suis allé voir et il y a le seul casier qui était ouvert, c'est le mien. On m'a rien pris. Oh là là. Et donc, du coup, je suis passé quand même voir les flics pour leur dire coucou, enfin, pour déposer la main courante. D'accord, très bien. Est-ce que vous avez quelque chose d'illégal sur vous dans la loge ? Oui. Évidemment, quelle question, Guillaume. Oui, héroïne, mon arme, 1000 euros en liquide. Il le dit dans le livre « Manipulation psychologique », ne jamais être gêné par une question gênante et en rajouter. Oui, tout à fait. Manipulation psychologique, ça. Oui, c'est bien. C'est ça, j'ai retenu la leçon. T'as lu quand même. Ah, j'ai étudié deux, trois bouquins. T'as bien travaillé. Hein. Ouais, donc c'est exactement ce qu'il fait depuis le début, c'est intéressant du coup. Hein. C'est ça. Tiens, vas-y, parle. Alors, qu'est-ce que la France a de mieux que la Russie ? La démocratie, déjà, pour commencer. Oui. L'élection, parce que nous, on a un tsar qui est là depuis 20 ans et qui là, vient de signer une loi comme quoi il allait rester jusqu'à 36, hein, 2036. Oui. Voilà. Après, le vin, les fromages, les parfums. Okay. Pour les Russes, Paris, c'est ça. Tu parles combien de langues ? J'ai appris. Enfin, c'est difficile. Les langues, c'est comme les sports. Est-ce que c'était ta spécialité ? C'est comme ça que tu as été recruté, on va en parler. Ouais. Les langues, c'est comme les sports. Si on ne les pratique pas, on les oublie. Donc, je ne peux pas dire je parle, etc. Tu as parlé combien de langues ? Si, j'ai appris, donc, russe, langue maternelle, bien évidemment. Ça s'oublie, mais difficilement. L'anglais à l'école, le français à l'université, l'espagnol à l'école du KGB. Et à l'école du KGB, un peu d'allemand, puisqu'on m'a dit, tu vas partir en Amérique latine. Et en Amérique latine, il y a tellement de nazis que vaut mieux des fois parler l'allemand que l'espagnol. Voilà. Et puis, le truc aussi, c'est qu'avec le russe, bien évidemment, on arrive à se débrouiller en ukrainien, en biélorusse, en bulgare, en polonais, en tchèque, etc. Avec le français et l'espagnol, on arrive plus ou moins à comprendre les italiens, les portugais. Ouais, bah, c'est vrai, c'est voilà. Mais je ne parle pas ces langues-là. Hein, On va faire un test de toute façon, on va s'amuser tout à l'heure. Mais... Bah, je parle déjà le français, hein. ça se voit, non? T'as peur qu'on t'interroge sur les autres langues? Ouais. J'ai peur. T'étais dans la direction S. Oui. Celle des illégaux. Oui. Qu'est-ce que c'est un illégal ? La direction S, c'est le vrai bureau des légendes. Parce que vous avez le bureau des légendes. Pour ceux qui ont vu, c'est une série sur Canal+. Ils apprennent une légende, c'est une fausse histoire, une fausse vie. Oui. Sauf que cette série, c'est du pipeau. Tout est faux, parce qu'en réalité, ils sont tous avec les passeports français. Donc, en fait, la légende, c'est juste un faux nom et des fausses données qu'on te donne. Nous, en Russie, il y avait deux services, en fait. Les Russes et la RDA, les Allemands de l'Est. On a les services dans lesquels on te prépare pour jouer le rôle pendant 20 ans ou 30 ans de quelqu'un d'une autre nationalité. Putain, c'est une longue pièce, hein, 20 ans, 30 ans. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils m'ont choisi. Parce que quand ils ont commencé à entendre que je n'ai pas d'accent dans les langues que je parle, donc ils m'ont dit, peut-être tu vas commettre des fautes, donc on ne va pas t'envoyer peut-être en France, mais on va t'envoyer aux États-Unis et tu vas jouer un Français. Ah oui. Un Français, c'est quelqu'un d'amical par rapport aux Américains. Donc, du coup, ils ne vont pas te foutre en prison tout de suite. C'est ce qu'ils appellent un réseau dormant. C'est ça. Pendant 20 ans, vous faites votre vie. Puis... C'est ça. Donc, vous êtes payé. On est payé. Pour rien faire. Pour rien faire. Ça, c'est ce que va faire Jimmy à partir de demain. Je suis direct. Attends,
pendant 20 ans, 30 ans, ils ne vous appellent pas. Même pendant aucun contact. Toute la vie. Mais ils sont payés comment ? On fait des trucs. Hein. Après, il y a des valises avec l'argent qui circule. Après, on peut aussi... Il y avait un illégal qui s'appelait Conan Molody. Il est parti en Angleterre. Il a créé une entreprise. Il est devenu millionnaire avec son entreprise. Et quand le KGB lui disait « Combien on te paie ?», il dit « Vous gardez votre fric. » Moi, j'en ai 3 millions. Photo d'enfant, s'il vous plaît, en régie, ouais. qu'on voit Sergueï dans sa genèse. Ça, c'est ta famille. C'est Zelenograd. Donc ça, c'est écrit, c'est Zelenograd. Donc c'est une ville nouvelle qui a été créée en 1958 à 40 km du centre de Moscou, dans la route de Saint-Pétersbourg. Mais tu es où, là ? C'est ta famille ? Moi, je ne suis pas là. Moi, c'est moi qui prends la photo. Ah ! Il est malin, celui-là. Il est malin. Même si mes photos. Moi, je suis espion. Mais c'est vrai. Tu n'auras jamais la photo à l'école du KGB. C'était interdit. Alors, attends, deuxième photo de toi, jeune. Oui. Tu n'es pas sur la photo ? Là, c'est la statue. Là, c'est facile parce qu'il n'y a que les filles et moi. T'es à gauche, là ? Bah oui. C'est vrai, en noir ? Pas en uniforme, pas de tout à gauche. Non, le costume noir au milieu. Le mec qui est là, c'était où, ça ? Avec la cravate. C'est en Chine, ça, le mec qui connaît rien. 60 ans de la révolution d'octobre. Il y a des femmes au KGB ? Jamais de la vie. Ça, c'est le mythe qui travaille beaucoup les Français, parce que tous les Français adorent avoir les... Et au FSB, le nouveau KGB. Belles Russes, à forte poitrine. Il n'y a pas de femmes ? Non. Et merde. Non, non. Pas de femmes ? On était 320 élèves à rentrer chaque année à l'école d'Andropov. Ouais. Zéro. Zéro femme. Il y a une seule exception. Et cette seule exception, c'est le service des illégaux. Dans le service des illégaux, ceux qui jouent pendant 20 ans ou 30 ans, qui partent à l'étranger, donc souvent, ils partent en couple. Donc lui, c'est un espion, et elle, c'est une espionne auxiliaire. Donc en général, c'est une opératrice radio, donc tu sais, le truc... Le Morse. Morse, ouais. Voilà. Tu rentres à l'école du KGB, la première chose... En fait, moi, je suis rentré en 1984, avec Poutine, la même année. On rentre, la première chose, on nous met à apprendre à taper à la machine à écrire. Alors, je fais rapidement la genèse pour arriver après au KGB, mais en gros, en 64, vous déménagez à Zelenograd, donc la ville grande. Donc, c'est la Silicon Valley. C'est la Silicon Valley soviétique, ça veut dire le centre électronique qui travaillait pour l'espace, pour la défense. Oui, c'est les scientifiques. C'est les scientifiques. Vous aviez beaucoup plus de droits que le reste de l'URSS. C'est une sorte de bulle de liberté. C'est fermé, mais comme ils sont tous intelligents. Donc, comme ils sont tous intelligents, donc ils comprennent que le régime est pourri, que tout ce qu'on nous raconte sur le communisme, c'est du pipeau. Donc en gros, vous êtes à l'école 609 de Moscou. Oui. 10 ans, parce qu'il y a primaire, collège, lycée, c'est ça ? Oui, au même endroit. C'est au même endroit. Et donc à 12 ans, commencez à apprendre les langues étrangères. Le KGB vous repère à l'âge de 12 ans, repère à 12 ans. Oui. Et en dehors des cours, tu participes à des Olympiades et tu gagnes en anglais. Oui. Et c'est là que tu rentres dans la base de données du KGB. C'est ça. J'ai appris après. Hein. Je ne savais pas du tout. Hein. Et tu rentres à une école qui s'appelle MGIMO. MGUMO, c'est ça. Institut d'État des Relations Internationales de Moscou, où ils forment les diplomates, un peu l'ENA. C'est entre Sciences Po Paris et l'ENA. Et donc, c'est là où tu on ne te laisse pas le choix, on te dit tu vas apprendre le français. Oui. C'est ça. Oui. C'est vraiment... Oui. On va faire un test. Je viens pour rigoler. Premier test de la soirée. On va prendre 5 personnes du public, ou 4 personnes du public, parce que tu parles déjà le français avec nous, qui parlent les 4 langues que tu nous as citées, et vont te parler pour voir si tu as encore des bases. Qu'on aura 3 pays. D'accord. Allez, c'est parti, on y va pour le test de langue. Merci à tous d'être venus, déjà c'est gentil. Si j'ai pas de bêtises, il y a Salomé, Sarah, Martina, exactement. C'est ça, et Camilla. Oui. Donc elles parlent chacune une langue différente, d'accord ? Elles vont te poser une question ou deux dans chaque langue et on va voir si le niveau que tu as dans chaque langue, d'accord ? C'est le premier test d'entrée pour le QG, ok ? Attention, on commence par Salomé, en anglais. So, have you ever dreamt of being a spy when you were younger ? Yes, every time. Every time? I saw films with spies. Yeah. And I dreamed to be a spy. But a Russian spy, not a James Russian Bond. A Russian spy? Yeah. You didn't want to be James Bond? It's a great difference between the Russian spies and James Bond. On peut y aller si vous voulez, hein, vraiment. I believe. Parti. Hyper fort. Ton accent anglais, comment il est, son accent anglais? He's very good. I feel like you're more of a, like, you're a mix of British and American, but I cannot really say, but he speaks quite well. I can speak British,
Yeah. I can speak American. Yeah. Nice. Il est bon. Ah, il a appris tous les accents. Regarde, c'est good with accents. You have good accents. Thank you very much. Merci beaucoup, Salomé. Merci beaucoup. J'ai passé le deuxième. Sarah, en espagnol, si tu veux bien. Hola. Hola. A mí me gustaría saber en cuántos países has vivido. He vivido en Rusia, en Francia, en Suiza. 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 Es todo. Solo los tres. Vivido. Sí. Después he visitado otros países. Merci beaucoup. Attendez juste, bon. Sarah, c'est ta langue maternelle, non? Oui, je suis née à Bogota. Ah, t'es trop bien. Là, j'allais dire, t'as un très très bon accent. Oh. Martina, en allemand, si tu veux bien. Und guten Abend. Guten Abend. Ich möchte gerne wissen, warum Sie heute in Frankreich leben. Ich habe den Status des politischen Diplomaten. Ja. Okay. Bon, c'est un peu plus léger. mais en fait, tu comprends ce qui est dit? Non, bien sûr. Oui, parce que t'as compris, t'as répondu. Non, j'ai compris. J'ai du mal à répondre. Oui, c'est ça, c'est ça. L'allemand, c'est la. C'est, j'ai des bases. En fait, l'allemand, c'était ça. C'est pour ne pas se sentir perdu lorsque tu te retrouves. Donc, en fait, tu comprends. Donc, du coup, tu peux dire oui. Oui, c'est ça, etc. T'es pas paumé. Après, si tu me donnes un texte écrit en allemand, pour le lire, ce sera plus facile. D'accord. Conversation, c'est difficile quand même. C'est déjà pas mal. Surtout, comme je vous ai dit, les langues, c'est comme les sports. Hein. Merci beaucoup, Martina. Alors, on te voit parler en français depuis le début, mais Camila va te parler en russe. On va voir ta vraie langue. Добрый день. Здравствуйте. Сергей, по отчеству. Олегович. Сергей Олегович, давайте всех удивим скороговорками. Давайте. Давайте. Ехал грека. Ехал грека по через реку. Видит грека. В реке рак. В реке рак. Руку в рек за рак. Я забыла. Руку в реку грек сунул. Рак за руку, греку цап. А теперь быстрее. Ехал грека через реку, видит грека в реке рак. Сунул грека руку в реку, рак за руку, греку цап. Я не смогу так. Qu'est-ce qu'il t'a dit, là? Je suis totalement d'accord avec toi. C'est un exercice de prononciation à la limite de prononciation. Ah, c'est ça. Dans laquelle on commence à dire un petit truc. En fait, il y a un grec qui se baladait, qui a traversé la rivière. Ouais. Et donc, il a mis la main dans la rivière. Et dans la rivière, il y avait une crevisse qui a attrapé sa main. Et donc, en fait, ехал грек через реку, грек... Et c'est difficile à prononcer. D'accord. Il faut arriver à prononcer très, très, très rapidement. Merci beaucoup, les filles, en tout cas. Merci beaucoup à toutes les quatre. Vous pouvez vous remettre là. Merci beaucoup. Fort. Alors, il y a plein de mythes. Déjà, on est impressionnés. Moi, je suis impressionné personnellement par tes langues. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on parle des mythes du KGB? Oui, tout à fait. On va faire un tableau. On a déjà parlé. Oui, mais là, tu vas nous dire si... Les femmes, ça n'existe pas. Alors, ça, c'est un mythe. T'es sûr que c'est un mythe? C'est un mythe. On va en parler après. Ouais. On va te poser des questions. T'es déçu, hein? Non, parce que j'ai d'autres infos. Parce que j'ai d'autres sources. T'as Anna Chapman qui est dans le couloir. Madame fait partie du... Non, je rigole. On va faire un tableau avec des situations. Tu vas nous dire si c'est KGB ou pas KGB. C'est parti, on y va. Et c'est parti. Tiens, allez. Premier. Alors, tu nous dis à chaque fois si c'est plutôt KGB ou pas KGB. Dire son métier à ses voisins. Pas KGB. Ça, personne ne sait. Les parents, donc. Les parents savent quand même. Les parents et l'époux, l'épouse. D'accord. Les enfants, quand. Parfois les enfants, mais il faut se méfier. Il faut que ça soit ado plutôt que les petits, parce que les petits, ils vont aller dans le jardin d'enfants et ils vont dire mais mon papa il est espion, va te casser la gueule. Donc il faut se méfier. Hein. Ah ouais d'accord. Pas, ouais. Donc évidemment pas les voisins. Ouais. Est-ce qu'on peut ne pas savoir se battre? Ne pas savoir. Oui. KGB. Ah c'est vrai? Oh, oui. Et donc ils savent pas se battre au KGB? Bah, c'est un mythe. Hein. Le KGB, on se bat pas. Ou quoi? Après, on nous apprend des bases. Mais on n'est pas des Bruce Lee. Oui, c'est ça. On apprend des bases uniquement si on est en rencontre, un rendez-vous avec un agent ou une source, le soir, la nuit. Donc, il ne faut pas avoir peur d'être tout seul au milieu d'une ville. Je ne sais pas, au Harlem, aux États-Unis, à New York.
Arrêtez de savoir se défendre. Voilà. Il faut avoir un tout petit peu de base. Un peu de base. Mais on n'est pas obligé de savoir se battre comme un Bruce Lee. Très bien. Est-ce qu'on peut trahir ses proches KGB ou pas KGB? KGB. Oui, bien sûr. Ah oui, c'est vrai. Ah, oui. Même ses proches. C'est très. Ouais. Même ses parents, sa femme, c'est. Disons que, en fait, c'est pas recommandé. Mais si le service vous demande, alors là, oui. Ah, ok. Service vous demande. Je passe celui-là parce qu'on a répondu juste avant. Est-ce qu'on peut séduire une personne? Est-ce que parfois ça fait partie du boulot de draguer une personne? KGB. C'est une mission, quoi. Disons déjà le recrutement d'une source ou d'un agent, la personne qui va nous fournir des informations secrètes, c'est une séduction. Ouais. Et la relation d'un officier traitant par rapport à sa source ou à son agent, c'est quasiment un couple. Oh là là, donc la séduction, oui. Très bien. On joue beaucoup. Hein. Alors, être patriote, KGB ou KGB? Est-ce qu'il faut être patriote KGB. Ça, c'est tout le monde est patriote ça, KGB. Ouais. Ça. Est-ce qu'il faut savoir mentir? Oui. C'est la bonne. Espionnage, c'est le seul métier où si tu dis la vérité, on te fout en tôle. Et si tu mens, on te donne la médaille. Voilà. Ah là là. Donc savoir mentir, si tu ne sais pas mentir, c'est fait partie du métier. C'est pas ça. La peine. Hein. D'accord, très c'est bien. C'est pas la peine de rentrer dans le truc. Hein. Alors, empoisonner une personne. KGB. Ok, ouais, j'imagine. Ouais. Il s'étale pas. Allez, on passe à ça. Il n'y a pas d'anecdote là. Il y a un petit froid dans le livre qui s'est installé. Ça fait partie des cours. J'ai vérifié ma tasse, moi. Non, en fait. Ça peut faire partie des cours de certaines sections. C'est assez rare. C'est assez rare. Oui, mais c'est comme là, tous les. C'est un petit. Ce sont les exceptions. Ça veut dire qu'en fait, ça fait partie de l'image du KGB, un truc très, très froid, très méchant, etc. En réalité, les opérations mouillées, qu'on les appelle chez nous, sont des exceptions. Okay. Très bien. C'est une opération mouillée, c'est pas bon signe pour le mec, du coup. Non. Est-ce que tu es quelqu'un, ça peut être... du coup, c'est la même chose. KGB. C'est la même chose. Bien, ouais. Tout juste. Très bien. Ah oui, donc c'est... Il n'y a pas grand-chose, pas KGB. y a pas... Finalement, les mythes sont à peu près vrais, quand même. Merci beaucoup. Merci. C'est vrai que... Bien joué. Il y avait des sujets sur lesquels il s'est allé un peu moins que d'autres. Moins d'anecdotes. Pour pas dire de conneries. Non, pas trop. C'est pas pour ne pas effrayer trop le public, ouais. Hein, parce qu'ils sont jeunes, ils sont influençables. Donc. Est-ce qu'on va mettre la photo de la carte du KGB, s'il vous plaît, en régie? Je crois que c'est la numéro 5. Pour montrer aussi qu'il y a des documents et que voilà, pour expliquer un petit peu la base. Ça, c'est ta vraie carte du KGB? C'est ma vraie première carte du KGB. Là, j'ai les épaulettes de lieutenant en chef. Ça n'existe, c'est un grade qui existe aux États-Unis, c'est le first lieutenant. Ça n'existe pas en France. C'est un grade entre lieutenant et capitaine. Il y a les JO de Moscou en 1980. Ouais. Un peu plus tard. Donc là, tu n'étais pas encore rentré, hein, c'est en 90, on voit. Oui, oui. En 80, tu es au call center. Moscou a mis un service de call center pour avoir des traducteurs. Ouais. Toi, tu parles très bien français à l'époque, donc ils te mettent là-bas. Ouais. Et sauf qu'en fait, il n'y a pas d'appel, puisque personne n'a besoin de traducteurs. Ils ont chacun leur délégation, les traducteurs. Bah, l'époque était très différente, enfin très particulière, parce qu'en décembre 1979, l'Union soviétique rentre en Afghanistan. Et donc, en fait, c'est une guerre que l'Union soviétique commence. D'ailleurs, en tuant le président qui était à l'époque, Amin, donc il y a mon général Drozdov, directeur du service des illégaux, qui dirige cet assaut. Donc, les Américains... président Carter à l'époque, il dit on va boycotter les Jeux Olympiques de Moscou puisque Moscou a fait une guerre en Afghanistan. Donc les Américains déjà ne veulent pas venir. Les Français sont venus, mais ils défilent pas avec le drapeau français, mais avec le drapeau du Comité international olympique. Donc c'est jeux pourris. Hein. C'est les jeux pourris. Hein. La situation est pourrie. En revanche, nous, donc à Moscou, ils ont vidé la ville. Ça en fait, il n'y a que les Chinois, les Coréens du Nord et nous qui savons le faire. Hein. Une ville de 10 millions d'habitants, tu vides la ville de 10 millions d'habitants. Donc tu envoies les gens, les jeunes, ils sont envoyés dans les colonies de vacances. Les bandits, ils sont mis en prison. Donc on vide la ville. Et on remplit tous les magasins. Donc pendant un mois, tu vis le communisme.
Ça veut dire qu'en fait, il fallait montrer que les magasins étaient vachement remplis, que ça coûtait que dalle. On importe aussi les produits américains qu'on ne connaissait pas du tout. Fanta, Coca-Cola, Pepsi, machin. Ah, énorme, c'est rigolo. Si. Une histoire de mise en scène. Voilà, c'est une mise comme en scène. Comme le Truman Show. Grandeur nature. Grandeur nature. Ça veut dire que ce n'est pas un petit magasin. C'est une ville. Incroyable. Une ville de 10 millions d'habitants. Paris et l'Île-de-France. Voilà. Et donc, du coup, ils ont créé ce centre au cas où. Donc on est plusieurs, comme les filles de tout à l'heure. Donc on a 5 langues, sauf qu'ils sont complètement débiles, parce que tous les groupes d'étrangers qui sont venus pour les Jeux Olympiques, ils avaient chacun leur guide, le guide interprète. Donc s'il y avait des questions à poser, ils leur posaient à leur guide. Ouais, bien sûr. Et donc du coup, nous on s'emmerdait à ne rien. Attendre les trucs. Bien évidemment, les magasins étaient là, donc on en profitait quand même un tout petit peu, mais on s'emmerdait pendant un moment. Qu'est-ce qui se passe alors, vas-y, viens. Et un jour, au milieu de ce truc-là, donc, je reçois un coup de téléphone. Donc il y a un Français qui appelle. Waouh ! C'est comme ton test. Hein. Donc c'est le premier Français en vrai à qui je parle. Ah oui, d'accord. Parce qu'en fait, c'est une école supérieure, super bien, mais on est derrière le rideau de fer, la guerre froide, donc on n'a pas le droit de parler aux étrangers, on n'a aucun contact avec les étrangers. Donc en fait, c'est génial, pour moi c'est génial, c'est le premier Français à qui je commence à parler. Donc bien évidemment, je commence à lui parler, et en fait, il était juste curieux, parce qu'il a trouvé un annuaire quelque part, il a dit voilà, un service de renseignement en français, et voilà, je vais les appeler. Hop, il appelle. Et on commence à bavarder comme avec toi. Combien de temps ? 2 heures. 3 heures. 2 heures ? 3 heures. Il dit chier ce mec-là, putain. Bah non ! Non, mais c'est... Et tu parles de quoi, tout ? Mais pour lui, c'est la même chose. En fait, il est venu en Union soviétique pour la première fois. Il voyait jamais de gens du pays. En fait, il n'y avait que leur guide interprète qui travaillait bien évidemment pour le KGB. Donc, il n'allait pas discuter avec le guide interprète qui était un agent de KGB. Et donc, du coup, les deux... On prend le pied, donc lui, il me pose les questions sur la vie en Union soviétique, moi, je lui pose des questions sur la vie en France, on échange, etc., etc. On ne peut pas nous arrêter. 3 heures. Mais je ne me rends pas compte qu'en fait, le truc... Tu imagines, pendant 3 semaines, on se fait chier, il n'y a aucun coup de fil, et puis là, arrive un coup de fil, et qui dure 3 heures. C'est suspect, quoi. Le mec, il me dit, je t'invite à prendre un déjeuner. Je ne peux pas lui dire, je n'ai pas le droit. Et donc, il y a la directrice du centre qui me dit, hop. Donc, elle me convoque dans son bureau. Et dans son bureau, il y a un monsieur en costume gris, enfin, presque le truc du KGB. Colombo. Et donc, en fait, il y a un vrai mec du KGB qui me met dans la voiture. Il m'amène à la Lublinka, place Dzerzhinsky, salle d'interrogatoire. Donc, nom, prénom, c'est comme Jimmy. Machin, pour commencer, mais vraiment sérieux. Et il commence à me dire, mais d'abord, il me tutoie d'office. Après, il me dit « raconte ». Je dis « racontez quoi ?»« Bah, raconte ce que t'as fait. Tu sais très très bien qu'on ne convoque pas une personne au KGB s'il n'y avait rien. » Et donc, en fait, il me fait un interrogatoire à la stalinienne, quasiment. En fait, il me menace de me foutre en prison. Et il se présente, en fait, le mec, il dit « capitaine Poutine ». Ah, c'était Vladimir Poutine ? C'est pas vrai ? Si. Qui t'a interviewé, c'est vrai. Parce qu'en fait, Poutine est rentré au KGB en 75. Donc en 80, il était déjà capitaine. Putain, fort. Il travaillait dans le service de contre-espionnage à Leningrad. Mais pour les Jeux Olympiques, on a pris tous les mecs des services provinciaux et on les a fait venir à Moscou. Donc il y avait 40 000 officiers du KGB. Et donc lui, il était de permanence, parce qu'en plus, comme il y a... T'as pas fait une photo, non, qu'on montre pendant l'interrogatoire. C'est le 84, comme ça, yes. Voilà. Et Vladimir Poutine t'a interrogé. Et c'est la première fois où on s'est croisés. La première, mais c'est pas la dernière. Alors, on va parler. Est-ce que tu es d'accord, dans un instant, de nous faire un interrogatoire, comme au KGB ? On va apprendre une légende, chacun avec Jimmy. Ça va être affiché derrière. Ok. On a fait... Soi-disant, tu nous as arrêtés à la frontière entre le Kazakhstan et la Russie. Ok. D'accord. Ok. Tu vas nous interroger séparément. On va mettre un casque avec de la musique sur les oreilles. Ok. D'accord. Ok. Tu vas d'abord interroger, par exemple, Jimmy, puis moi, ou l'inverse, okay. Comme tu veux. C'est toi qui choisis tout. Ok. Le but, c'est que tu montres en 3 minutes okay. qu'on t'a menti. Ok. T'es d'accord ? On t'explique, bon, tu vas nous montrer un interrogatoire. Tu vas nous montrer ce que tu as appris au KGB. On va prévenir nos éditeurs et nos spectateurs que c'est un jeu.
Parce que je vais être musclé, hein, c'est... Allez, on y va, c'est parti. Alors, attends, j'explique quand même la situation avant que tu nous frappes. Si on peut mettre la derrière, que vous ayez un tableau comme à la police, d'accord? Ok. Je m'appelle Alban Icardi. Il s'appelle Hugo Léger. Merci. On est allé voir un match au Kazakhstan, sauf qu'il n'y avait pas de vol direct. Du coup, on est allé dans la ville de Kazan, ok? En Russie. On a fait Paris-Kazan, ensuite on a pris un bus pour aller à Nur-Sultan, la capitale du Kazakhstan. Oui. Toi, tu es du Kazakhstan, c'est ça? La fille qui parlait russe avant est du Kazakhstan, donc c'est marrant. Du coup, on est à Nur-Sultan en bus. Ouais. On a vu le match. Okay. France-Kazakhstan. Okay. Kazakhstan-France, pardon. Et après, on a repris le bus pour aller en Russie reprendre notre vol, sauf qu'on s'est fait arrêter à la frontière par le KGB qui ne comprend pas ce qu'on allait faire. Et qui trouve ça un peu louche. Ouais. D'accord. Bah, moi déjà, je trouve ça très louche. Hein, votre c'est vrai. Histoire, hein. Alors, on peut y aller. Et alors, si tu veux, on peut se faire des interrogateurs non, séparés. Mais, moi je préfère que vous restiez là. Hein. Ah, comme très bien. Bah oui. Vas-y, c'est parti. Ok. Je suis interrogateur de KGB. Très bien. Vous vous appelez comment? Alors, moi, c'est Alban Icardi. Et Hugo Léger. On est français tous les deux. Alban? Alban, moi, oui. Icardi. Icardi, c'est ça. C'est italien, ça? C'est pas alors, français. C'est d'origine italienne, ouais, par. Ouais, ok. Et Hugo Léger. Ok. Très bien. D'ailleurs, ce sera mieux comme ça, non? Pas de problème. Ok. Bon, qu'est-ce que vous venez faire chez nous? Ah bah, en fait, nous, on est venu faire un reportage pour notre. On travaille dans une émission de foot. Ouais, c'est ça. Dans une émission de foot. À Canal Plus, ouais. Ouais. Ok. 100% Canal foot. Canal Plus. Ouais. N'importe quoi. Bah si, c'est vrai. N'importe quoi. On a nos cartes de. Déjà, vous êtes français. On est français, oui. Est-ce que vous êtes membre du Parti communiste? Alors, non, pas du tout. Non, pas du tout. On est juste une bah, vous, vous devez. Pourquoi? Ah, bah parce que. Bah oui. On savait que... pas. Non, mais on savait pas les. On est français, on n'habite pas. Ah, vous êtes français. Ok, c'est votre valise, là? Non, pas si. Bah si, c'est votre valise. Ça, c'est ma valise. Ok. Ça, c'est des. Ça, c'est quoi, ça? J'ai un copain. C'est vrai, il faut expliquer. Okay, mais faut resituer. Parce que là, on n'explique pas, mais... En fait, ça, c'est quoi non, en fait, nous, on adore non, les... Non, on a vu 50 nuances degrés, on peut leur expliquer. Non, mais en fait, c'est la valise d'un copain, c'est que des jeux, vous pouvez vérifier, c'est des balles, il n'y a pas de balles à l'intérieur. C'est les jeux, là. Non, c'est un jeu, voilà, c'est un jeu, okay. Parce que voilà... C'est un jeu. C'est un copain avec qui je fais des choses un peu, voilà. Ok. Et vous avez besoin de ça en venant faire du football? C'est sportif, moi, notre hobby, c'est de... On aimerait bien faire des courts-métrages, etc. Bon, on va vous séparer déjà. D'accord. Très bien, il n'y a pas de problème. Bon, je vais mettre le casque, car du coup, il y a de la musique dedans. Ouais. Ah donc, Hugo. Hugo. C'est moi. Tu viens de quelle ville en France? À Bordeaux. Vous êtes copain? Ouais, depuis longtemps, depuis une dizaine d'années. Attends, j'avais 15 ans. Vous étiez dans quelle école ensemble? À Bordeaux, j'étais à l'Athénée. Et ça n'existe pas en France. C'est logique. Ouais, bien. T'as oublié ton école? Non, lycée Dupuy, parce que j'ai fait deux lycées. T'as oublié ton école? Parce qu'en fait, j'étais un peu en Belgique. Et en Belgique, c'est une Athénée, entre 13 et 18. Alors, t'es français ou t'es belge? Ma mère est française, mon père est belge. Et donc là, quel match vous avez regardé? On était à Rubin Kazan, là. C'est pour ça qu'on s'est arrêté en Russie. Rubin Kazan. Et qui jouait contre qui? Il jouait contre le Dynamo Zagreb, c'était en Europa League. Un petit match, mais bon, ça ne mange pas le, de pain. Le score, c'est quoi? 2-1. Rubin Kazan à domicile. À domicile, donc Golfis, il gagne. Ouais. Ok. Et vous avez dormi, vous avez passé combien de jours à Kazan? On a passé... Ben, on avait 3 jours avant le match, donc on a passé 2 nuits à l'Intercontinental, si je ne me trompe pas. Intercontinental à Kazan? Ça n'existe pas. Si, c'est partout, Intercontinental. Non, ah, si, pas à Kazan. Ah bon? Ah si. Ah si, je vous jure qu'il y en a à Kazan. Ok. Ils l'ont peut-être vu. C'est peut-être un éphémère, hein, mais je sais pas. Mais il y en avait un, en tout cas, quand j'étais, je vous jure qu'il y en avait un. Vous avez un accompagnateur avec vous? Non, juste nous deux. Ah, russe, non. Non, étant un pro au total. Ok. En fait, on a passé de budget. Quel numéro de chambre à Intercontinental? 406, quatrième étage. 406. Et les gars, j'ai écouté tout l'album, faut y aller à un moment donné. Ok. Bon, maintenant. J'étais pas mal. Il met ça où? De toute façon, il n'a pas besoin. Bien. Ah non. Non, je l'ai déjà entendu, moi. Alors, il m'a avoué que vous étiez deux agents de la DGSE. Alors, ce n'est pas possible. Et que vous étiez envoyé par la DGSE en Russie. Il m'a avoué. Ah, il vous a avoué. Alors, je pense qu'il a dû avoir peur ou avoir mal d'un coup, parce que c'est pas vrai. Je ne fais pas peur. Attends, tu n'es pas censé répondre, là. On est censé pas... Je ne fais pas peur. Je ne fais pas peur. Ah non, mais en fait, je suis désolé, vraiment. Je ne fais pas peur, là. Ah non, pas du tout peur. Bah voilà, c'est bien. Non, pas du tout peur. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Alors, on allait vraiment pour un match de foot, on voulait... Oui, quel match? La France, Kazakhstan-France. Kazakhstan-France. Ouais. Ok, et le score? Ah bah là, il y a eu 2-0.
2-0. 2-0 pour la France. Pour qui? Pour la France. Pour la France. Pour la France. Ok, très bien. Kazakhstan-France. Ouais, but de Mbappé. Ok. Et dans quel hôtel vous étiez? On était. Alors, comment il s'appelle ce condo d'hôtel? Bah, c'est ça. Intercontinental. Non, ça n'existe pas. Ça existe. Ça n'existe pas. Il y a un intercontinental dans chaque ville. Quelle chambre? Ma chambre, c'était la 412. Ok. Donc, vous étiez dans la même chambre ou pas? Ah non, lui, il y avait une autre chambre. Dans mon couloir. Mais alors, je sais plus quelle. Peut-être que c'est 407, la sienne. Ok. Mais vous avez passé deux nuits, tu sais pas le numéro de sa chambre? Ah bah si, c'est 407, je crois. Ouais. En fait, je sais y aller, tu vois, je sors de la chambre, je sais que c'est gauche-droite. Déjà, tu ne me tutoies pas. Pardon, je vous vois. faut savoir. Moi, je peux te tutoyer? Oui, bien sûr. Mais toi, pas. Un peu de problème, tutoie-moi. Vous, tutoyez. Ok. Bon. Bah, vous restez déjà chez nous, au Goulag, parce que de toute façon, vous êtes français. Donc, la France est un pays qui appartient à l'OTAN. Donc, votre cause est déjà... Mal barré. Vous avez vu des incohérences dans ce qu'on a dit ou pas, non? À tout plein. Bah oui. C'est vrai. Moi, j'ai parlé du match qu'on avait vu à Kazan. J'ai pas parlé du match Kazakhstan-France. Non, mais... Ah, c'est vrai. Bah oui, ah, merde. À Kazan, bah oui, moi. Bah oui. Donc là, on aurait été cramé, par exemple. Ah bah oui, complètement. Complètement, ok. Complètement. Voilà, c'était bon. Allez, complètement. D'accord. Tu sais que ça fait à peu près deux jours et demi qu'on travaille avec Jimmy pour s'entraîner pour nos légendes, pour connaître les numéros de chambre, etc. On s'est planté sur quoi? En fait, vous vous êtes trompé sur la chose la plus importante, c'est le match. Bah ouais. Parce que lui, on a parlé d'autres. Il y avait deux matchs, on a parlé de tous les deux matchs différents. Zagreb, en fait. Rubin Kazan. Rubin Kazan. Et moi, toi, j'ai dit France, Kazakhstan. Ah ouais, ouais, donc là, c'était fini. Là, c'était fini. Hein. On était cramés, là. Là. Là, on serait partis en prison. Là, je prends mes boules de pétanque et je vous écrase. Alors, j'ai vu dans ton livre, hein, chez Marie Édition, qui s'appelle KGB DGSE, deux espions face à face, tu disais que vous avez infiltré tous les partis politiques français. Ouais. Quand on dit infiltré, ça veut dire qu'on avait des sources, et souvent même pas des sources. Des agents. Dans les partis politiques, quand tu as des gens très haut placés, tu ne les recrutes pas forcément. Ça veut dire que tu ne finalises pas, tu ne l'amènes pas dans un bureau en signant « je sous-signé, m'engage travailler pour le KGB en recevant 2000 euros par mois, etc. » Non. Mais tu peux recruter des gens qu'on appelle les agents d'influence. Ça veut dire que c'est les gens qui vont, en fait, qui ont une sensibilité et qui vont diriger leur parti, orienter leur parti vers les choses qui nous intéressent, nous. C'est un peu des influenceurs de l'époque. C'est ça, c'est les influenceurs. Non, parce que tu dis, nos plus célèbres étaient Yves Montand, Simone Signoret, Mireille Mathieu, putain. Gérard Depardieu. Bah oui. C'est-à-dire que, oui. Voilà, ils font de la pub pour... Qu'est-ce qu'il a fait, en fait? Il est parti en Russie, il a reçu le passeport russe, en fait, il a fait le jeu de Poutine. En fait, il a servi... Il a servi la propagande et l'image de Poutine. Ouais. C'est ça. Est-ce qu'on peut parler de la technologie, des objets d'espions? Ouais. C'est vrai que c'est un sujet qui intrigue vraiment. Oui. Tu parles dans le livre du parapluie bulgare. Bah, c'est un truc qui a vraiment existé. Qu'est-ce que c'est? C'est un objet, un vrai parapluie. C'est un vrai parapluie qui a été aménagé par le service opérationnel technique, qui a introduit un mécanisme là-dedans. Donc il y a deux sortes de parapluies bulgares. C'est un fusil, donc il y a un parapluie qui peut tirer. D'accord. Donc avec une vraie balle. Mm-hmm. D'accord. Et il y a un parapluie qui peut tirer avec une capsule métallique dans laquelle il y a du poison. Vous parlez des micros, enfin tu parles des micros pour capter des conversations à 500 mètres. C'est-à-dire que tu avais un micro, tu visais quelqu'un à 500 mètres, tu pouvais entendre ce qu'il disait. Un micro directionnel. À 500 mètres, on peut entendre quelqu'un parler. Ouais, ouais. Il y a un émetteur radio déclenché par les agents dès quand ils passent devant l'ambassade de Russie. Par exemple. Ils appuient sur un bouton et ça envoyé par signal radio. Fraction de seconde. En une seconde, tu dis, des informations qu'ils avaient sur une carte à l'intérieur de leur veste. C'est ça. Ils passaient devant la Russie, tac. Oui, c'est ça. Ça transmettait. Mais tu peux le faire aussi maintenant pour les satellites. Ça veut dire que tu n'es plus obligé de passer devant l'ambassade parce que la technique a. Ça s'appelle un SMS maintenant, c'est vachement plus simple. En une seconde, t'envoies, ça passe par le satellite et. Mais ça, c'était dans les années 80. Ouais. C'est-à-dire que c'est là où Sergueï est fort, c'est qu'il donne aucune information réelle, compromettante. Tu donnes que des anciennes choses. C'est François, en fait, qui raconte rien. Il nous raconte encore que pour dénicher les filatures. Des cheveux. Les grilles de chevaux, les trucs comme ça. Mettre des cheveux dans les chambres d'hôtel. Par rapport à ça. Mettre des cheveux posés sur des poignées de porte pour voir si quelqu'un a appuyé. Et juste, la capsule de cyanure. Ouais.
Qu'est-ce que c'est là? Ça existait en fait, mais bon, ça existe. Tu en as eu toi? Non. Non. J'ai pas eu. Ça a beaucoup existé pendant la guerre. Pendant la guerre, lorsqu'on envoie un agent derrière le front, donc il pouvait être capté par les services méchants, comme la Gestapo. Ça existe encore, ces capsules? Si, ça existe. Ça existe. Ça existait aussi, par exemple, pour les pilotes des avions U-2. S'ils se faisaient prendre. Les avions espions dans les années 60, qui étaient tous équipés d'une capsule de cyanure. Parce que, on sait que l'homme ne peut pas résister à la torture. Ça, c'est le mythe. Hein. Personne ne peut résister à la torture. Et donc, si tu sais que tu es capté et qu'on va te torturer et que tu vas énormément souffrir... Avant de mourir. Vaut mieux... Voilà, tout de suite. Voilà. Ah oui, d'accord. Et le thé au polonium, là, enfin, toutes les... Ouais. Le polonium, le poison, et ça existe aussi Bien sûr que ça existe, puisqu'ils ont empoisonné Litvinenko à Londres, et puis le Novichok, ils ont empoisonné Navalny... Il y avait des cours de poison De chimie, des cours de chimie. Les cours de chimie et surtout que le poison, par exemple, le truc de Novichok, il est très particulier parce que c'est un poison binaire. Ça veut dire que tu as deux éléments séparés, ils sont presque anodins. Ça veut dire qu'en fait, à la limite, il y a une personne qui peut d'abord te mettre quelque chose sur la main, en fait, le premier composant. Et le deuxième composant, on va te mettre dans la chambre sur un objet que tu vas toucher. Et une fois, lorsque tu vas toucher les deux objets, boum, tu vas mourir. C'est en deux étapes. C'est ce qui s'est passé, par exemple, pour le demi-frère du dictateur nord-coréen. Oui, dans l'aéroport. Il y avait deux filles qui l'ont abordé dans l'aéroport. D'abord, il y en avait une qui l'a arrosé d'une substance, et l'autre qui est passée avec la deuxième. Et boum, il est mort. Et là, c'était fini, ouais. Voilà. Tu disais qu'il n'y avait pas... Ça rigole moins dans le... Tu disais qu'il n'y avait pas de femme espionne, ouais. Mais tu parles dans le livre d'une fille qui s'appelle... Est-ce qu'on met de la photo, s'il vous plaît, Anna Chapman? D'abord, ce n'est pas Anna Chapman, Anna... Oui, ce n'est pas son vrai nom, mais... Ouais. Qui est très jolie. Et du coup, qui est devenue... en fait, qui s'est mariée apparemment du KGB. Ça serait mariée avec quelqu'un en Angleterre pendant... Parce que c'est pas ce serait mariée, elle est mariée, c'est un fait. Hein. Elle est mariée et donc elle est restée un mariée, an. Elle est restée un an avec... Elle a trouvé un Britannique en 2001 ou 2002. Elle s'est mariée d'ailleurs en Russie. Avant de partir à l'étranger. Donc, elle a trouvé ce Britannique, ce petit con de Britannique qui est tombé sous le charme. Ben, on peut vite se faire avoir avec une fille comme ça. Oui, c'est ça. Donc, elle s'appelle Anna Kouchenko. Donc, elle a épousé un Britannique. Et lui, il l'a amené en Angleterre. Il a vécu avec lui le temps d'obtenir le passeport britannique. Donc, elle est devenue sujet de sa reine d'Angleterre. Et après, une fois lorsqu'elle a obtenu le passeport, elle a largué le mec. Et lui, il est mort quelques temps après d'une... Donc, en fait, elle a largué. Après, il est passé aux États-Unis et il est tombé, malheureusement, victime de trahison. Donc, en 2010, il y a le directeur adjoint de mon département, le département numéro 4 américain du service des illégaux, qui a trahi pour les Américains. Et donc, quand il est passé aux États-Unis, il a donné 10 agents, dont... Anna Kouchenko. Je croyais qu'il n'y en avait pas dans le KGB des agents femmes. Je t'ai dit, sauf l'exception, les auxiliaires. Dans le service des illégaux. Ah oui, c'est ça, bien dans sûr. Dans le service des illégaux. Ah ouais, et du coup, on a eu des couples qui étaient aux États-Unis depuis 30 ans. Ah oui, d'accord. Les agents, parmi les 10, moi j'ai croisé 2. Tu la connais pas, Anna Chapman? Non. Elle a été accueillie par Poutine, je crois, hyper bien, c'est ça? Bah, le truc, c'est qu'en fait, à l'époque, c'était Medvedev et Obama qui ont échangé ces agents. Mais sauf que, donc il y avait 10 agents soviétiques qui étaient aux États-Unis. On les a échangés contre 4 personnes, dont Sergei Skripal. Ah oui! Et d'ailleurs, ça ne se fait pas. D'accord. Poutine, c'est un mec dégueulasse, qui est considéré par les services spéciaux comme dégueulasse. Parce que les services spéciaux, en fait, on est des gentlemen. Quand on est pris, on échange. On reconnaît la faute. Ah oui, oui. Et on fait un échange. Et lui, il a échangé le mec. Et puis après, il a voulu le zigouiller derrière. Tu avais une femme. Oui. Le KGB l'a contrôlée. Hmm? Et t'as dit, tu arrêtes ta relation. T'as pas eu le choix. Non. En fait, le truc, c'est que il préfère avoir des gens mariés. Donc, la règle, c'est les gens mariés. Moi, j'étais célibataire. Et donc, du coup, les célibataires, ils les poussent, en fait, à se marier. Ils te disent, si tu rencontres quelqu'un avec qui tu veux faire ta vie, tu nous préviens. Parce qu'on doit vérifier. On contrôle. Si personne... Mais ça, la DGSE le fait en France. Tous les services spéciaux font la même chose. Hein. Et donc,
J'avais une fille. Bien évidemment, j'ai donné son nom à mon officier traitant. Il a dit, voilà, en fait, tu attends 2 mois, enfin, on va faire l'application, le contrôle. Et au bout de 2 mois, ils me convoquent et ils me disent, voilà, en fait, cette personne-là, tu ne peux pas continuer avec. Ils ne te donnent pas la raison. Et tu dois la quitter tout de suite ? Tu dois la quitter et en plus, sans lui expliquer. Tu ne peux pas lui dire que c'est le service qui te demande de la quitter. Ah oh là là, interdit. Évidemment. Parce que sinon, ça peut mettre la puce à l'oreille donc, si c'est un service. Coup, okay. Donc, c'est, en fait, c'est des années après, c'est avec l'analyse, ça, hein. Parce que ça te marque quand même, hein, le truc. Et en fait, c'est un test. C'est un test. C'est, oh là c'est là juste là. Un test. Est-ce que tu peux préférer le service à ton amour, à ton émotion, à ta vie privée. Peut-être que c'était rien, en fait. La femme était peut-être clean. Je suis persuadé qu'elle était clean. Incroyable. Avec des années, je suis persuadé que c'était clean. On a envie de faire 2 expériences. On va enchaîner, c'est très rapide. Pour montrer qu'on peut faire de la lumière avec n'importe quoi. Ouais. Et pour montrer qu'on peut faire une arme avec n'importe quoi. Ouais. Je trouve ça intéressant. Ouais, oui, ça c'est vrai. Quelque chose qui n'a jamais été fait sur un plateau. C'est vrai. Allez, c'est parti, on accueille Amaury. Bien. Bonjour Amaury. Bonjour. Mets-toi au milieu avec Amaury. On va se mettre sur les côtés. J'ai peur. Hein. C'est quoi ça? Waouh, il met des gants. C'est ça, j'ai ramené un peu de matériel pour faire des expériences avec de la basse température, un petit peu comme avant. D'accord. Cette fois, j'ai ramené de la glace carbonique. La glace carbonique, en gros, c'est, tu sais, quand tu respires, tu recraches du CO2. Ouais. C'est ça, qu'on a refroidi beaucoup, ça s'est transformé en neige, on l'a compacté. Donc là, on va faire de la lumière avec ça. On va faire de la lumière avec de la neige. Avec de la neige carbonique. Glace. D'accord, d'accord. Et la particularité de ça, c'est que c'est tellement froid que quand on le met dans l'eau, on a un effet assez stylé. Ah ouais. Ah ouais. Un nuage. Pas mal. Voilà. Pas mal. Donc bon, ça va buller sur le côté. Très bien, très bien. Ouf. Et donc comment on va faire de la lumière? Alors, ce qu'on va rajouter pour faire de la lumière, c'est du magnésium. Donc le magnésium, c'est un métal. Ici, on l'a sous forme de poudre. Hop, on va en mettre un petit peu ici. Parce que sinon, ça pète. Hein. Qu'est-ce que tu vas faire du coup avec ça là? Alors ici, on va commencer par allumer le magnésium dans l'air pour voir ce que ça fait. D'accord. Et ensuite, on le fera dans le carbone. Tu fais des éclats ou pas? Hop là, non, t'inquiète, toi, c'est pas des lunettes. Bon, on va prendre. Vas-y. Attention. Yeah. Ouais, voilà. Ah, non, oui, okay. Il y a un peu d'étincelles, quoi. Ouais. Ça fait des petites étincelles, ouais. Très bien. Voilà. Jusque-là, rien d'incroyable. Rien d'incroyable. Donc, tu vas réussir à faire de la lumière. On va prendre un bloc de carbone. Hop là. Hop, je vais le prendre, je vais le mettre à côté. Hop là. Voilà. Ok, on va maintenant faire un trou au milieu de ce bloc ici. Vas-y. Donc là, on fait un trou dans de la glace, quoi. Voilà, exactement. Et dans ce trou, on va mettre. Et du magnésium. Dans ce trou, on va mettre du magnésium, effectivement. Donc c'est de la limaille de fer. C'est un peu comme ça. Ah, t'en as pas mal là. Attends, est-ce que je peux prendre la cuillère, s'il te plaît, une seconde? Vas-y. Juste pour montrer que c'est vraiment très froid. Voilà, c'est vraiment très froid. C'est le gaz qui s'évapore en fait et qui soulève un peu la cuillère et qui la fait ressortir. Si je la pose, la cuillère. C'est un réveil. Allô? On n'a pas compris. Allô? C'est dire, on n'a pas compris. Ah ouais? Oui? C'est ça? Les vieux téléphones! En fait, il y avait ça avant. Non, c'est une blague. C'est tout de l'école, sinon là. C'est ça. Ça rappelle des mauvais souvenirs. C'est la règle. Ok, alors là, du coup, tu vas mettre le feu à ça et tu vas refermer. On va mettre le feu à ça. Okay. Et on va refermer avec un deuxième pain de glace ensuite par-dessus. Ok. Et tu vas voir l'effet que ça va donner. Très bien. C'est parti. Là, je me mets derrière. Attention. Non, mais vous n'avez pas besoin de vous courir les yeux, ça va juste s'allumer. Hop là. Oh waouh, oula. Allez, il n'y a pas de problème. Ça. On dirait machin dans les sonars, tu vois. Ouais, et ça reste hyper beau. Comme ça pendant un bout de temps. Ah, waouh. Voilà. Est-ce que c'est vraiment une solution que vont prendre les espions pour s'éclairer? Je ne pense pas. Je pense pas. C'est un peu beaucoup. C'est un peu beaucoup. S'éclairer, ouais. Non, mais c'était marrant parce que tu m'as dit on peut faire de la lumière très forte. Avec du fer et de la glace, et je me suis dit, c'est intéressant. Au pôle Nord, pourquoi pas? Au pôle Nord, pourquoi pas? Il y a la première matière. Du magnésium. Donc, on a le premier. Alors, tu as une deuxième expérience. Ouais. Ok, on va juste changer de table. Alors, voilà, nouvelle table, nouvelle expérience. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ces trois pièces-là? Ça, c'est une arme imprimée en 3D. C'est quelques pièces d'une arme imprimée en 3D. C'est la première fois que vous verrez un pistolet. C'est légal, un vrai pistolet qui tire. C'est pas légal. On est d'accord, c'est pas légal. Indétectable. C'est du plastique. C'est du plastique. Tu l'as pas fait toi-même? Je l'ai pas fait moi-même. On a fait appel à un armurier qui est qualifié, qui a le droit. Et qui va le détruire après l'émission. Et on vous mettra la photo de ce pistolet
3D détruit. Coupé en deux, on va voir comment il fait, je sais pas comment Qui puisse lui tirer en gros. Voilà, qui puisse lui tirer. Voilà. Là, tu as des pièces, donc c'est pareil, donc tout est en plastique. Tout est en plastique. C'est pour montrer que vraiment aujourd'hui, alors de toute façon, en vrai, les vrais gens qui veulent faire du mal, ça, vous trouvez malheureusement des armes sur Internet, sur des trucs un peu, voilà, deep web, web, etc. Ouais. On en a déjà parlé. Mais là, on montrait juste qu'avec les nouvelles technologies, les espions peuvent s'adapter quand ils arrivent dans des pays, etc. En récupérant, alors les plans, on les a eu pareil, c'est illégal, c'est là, par un service, etc., qui nous l'a passé et qui l'ont pris juste pour eux. On a imprimé ça, donc là, c'est des pièces séparées. Ça, c'est des pièces séparées. Et on a une balle de 9 mm de cinéma. Avec du verre devant, donc c'est-à-dire que c'est vraiment les douilles qui s'utilisent à blanc au cinéma, voilà, pour faire juste une flamme devant et un petit pétard. On va essayer d'en tirer une, c'est ça ? On va essayer de la tirer, c'est pas dit que forcément ça fonctionne, parce que les armes imprimées en 3D, c'est pas fiable du tout. C'est fait pour du one-shot, déjà, donc une fois que ça a tiré, si ça a fonctionné, l'arme est foutue. Et malheureusement, ça reste du plastique. Le simple fait de recharger l'arme peut déjà la casser. Ouais. Ouais, donc c'est vraiment. C'est à l'impro, quoi. Tu vois, c'est le dernier recours. Oui, c'est ça, c'est ça. Voilà, c'est juste intéressant de savoir que c'est possible. Vas-y, montre-nous ce que ça donne alors. Alors, du coup, voici ce que ça donne. Ça donne l'arme imprimée en 3D. Donc, ça a une tête un peu bizarre. Hein, ça ressemble pas à un 9 mm classique. Ah non. Oui, c'est un peu. On dirait une glace. Voilà, c'est un peu. Ça fait vraiment truc amateur, mais c'est ça. C'est ça qui fait montrer. Ça peut faire mal. Et que ça peut faire mal pour les espions, etc. C'est vraiment relier ça à l'espionnage. C'est ça. Donc on a quand même une gâchette, tout un système pour recharger l'arme en tirant avec des ressorts à l'intérieur. Ouais. Et la seule partie en métal qu'on a dans le pistolet, c'est un clou qui vient percuter la balle derrière. Mais c'est la seule partie en métal. Alors, sur 10 tirs, t'en as peut-être un qui peut partir. C'est ça. Donc c'est vraiment le hasard. Est-ce que tu veux qu'on essaye d'en faire un? On va quand même essayer. Tu veux qu'on essaye? Je vois qu'il n'y a qu'un seul casque. Tu es vraiment égoïste. Hein, alors non. Il va se protéger les oreilles à lui. Bon, on s'en fout. Hein. Non, on essaye. Ouais. Allez, viens. Jimmy, tu prends la table avec moi. On la soulève. On la met derrière toi. Tiens, viens, on va tenter. Je te laisse mettre la douille dedans. Je vais mettre des lunettes. Ah oui, donc lui, il est full protection. Ouais, non, mais alors. Alors nous, non, mais vous, il suffit que vous bouchiez les oreilles. Non, mais nous, on va se retourner. Moi, j'ai pas. Moi, je vais mettre derrière. Ouais, on va vraiment se mettre loin. Ok, on va essayer. C'est parti. Bah, ça peut exploser. Donc, derrière Sergueï. Pour expliquer, Sergueï, tu as été invité chez Jean-Luc Delarue. Il y a des années. En 2006. En 2006. On a la photo, si vous voulez bien la mettre. T'as pas du tout la même tête. Bah oui, parce qu'en fait, regardez les cheveux à gauche. Ouais. Ouais, putain. C'est impressionnant, mais c'est ça le travail d'espion, c'est qu'ils arrivent à changer l'apparence. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est toi. Cheveux longs, oui. Avec la barbichette de mousquetaire. Ouais. On ne te reconnaîtrait pas. C'est le mec de déchiffrer des lettres. Bah, c'est moi. Mais c'est quoi? Mais même là, j'ai du mal à me dire que c'est toi. Oui. C'est moi. Impressionnant, hein. C'est impressionnant. Non, mais c'est... Bravo. Donc... Oui. Donc on essaye. Alors, vous allez tous vous boucher les oreilles, les amis. Ok, vraiment, parce que tout le monde a des casques ou quoi. Moi, je vais même enlever mon oreillette. C'est le moment où l'arme peut casser quand on recharge, donc on va essayer. Ok, ça a marché pour l'instant. Tu sais qu'avec on a de la chance là. On met la balle à l'intérieur du canon. Pour l'instant, on a de la chance avec toutes tes expériences. Hop. À partir de là, bouchez-vous les oreilles, parce que le coup peut partir à tout moment, c'est un peu le problème de... C'est vraiment pas fiable, t'as plus de chances de te blesser, toi. Okay. Alors, on va tirer vers le bas. On va essayer. Ça part vers le haut. On a déjà fait l'expérience ce matin, vous voyez. voilà. Non. Bouchez-vous tous les oreilles. On et essaye, protégez-vous les yeux aussi, si vous pouvez, vraiment, le max. Clic. Ok. 1, 2, 3. Ah, non. Voilà. C'est pas du tout fiable. Est-ce que tu veux refaire une fois? Tu veux refaire? Essaye. Guillaume. Et tu peux pas faire rajouter un effet spécial? Non, ça se verrait. Attention, on va réessayer une deuxième fois. On réessaye. 1, 2, 3. Oh putain! Elle est partie! Elle est partie! Génial! Donc elle est partie. Donc là, on va montrer. Attends, je vais le démonter. Bah ouais. Donc tu vois, ça a marché. Hein. Ouais. Ça sent beaucoup de bruit ou pas? Ah oui. Ouais, pour ceux qui. Non. Moi, j'ai senti une petite. Encore un. Quand même. Sorti dans mes jambes. Tu t'es pas bouché les oreilles? Non. Ah bah t'as pas écouté les consignes aussi. On va faire après le tournage. On va la détruire et on vous met la photo maintenant. Voilà, vous la voyez. C'est cette arme-là qui a été coupée en deux ou je sais pas comment. Tu peux même la faire fondre. Ah oui, bah oui, tu mets dans un four. Donc ça marche quoi, voilà. Ouais. C'était pour dire c'est illégal au possible. Hein. C'était pour. Évidemment. C'est un armurier qui nous l'a fait, etc. Merci beaucoup. Mais avec plaisir. Made by Amaury, la chaîne, je vous mets le lien aussi. Merci beaucoup. Au revoir. Ça a marché. On l'a eu le coup de feu. Ouais. Et tu avais une arme de service, toi? Ouais. On est officier, les vrais officiers, donc on a une arme de service. Mais elle est restée dans le coffre-fort. On la sort une fois par an. On tire 5 cartouches.
On la remet dans le coffre-fort jusqu'à l'année prochaine. Ah, j'ai jamais utilisé. On a des photos de toi qui tirais à l'école, justement. C'est une très très belle photo. La numéro 9, oui. En régie, si vous voulez bien. Voilà. C'est et, toi. Et en fait, c'est, ça s'est passé pas au KGB. Tu sais ce que tu, non. Tu veux savoir ce que c'était? C'est à Versailles. C'était à Fontainebleau. Ah, c'est ça. On avait une journée sportive de l'ENA, et donc ils peuvent pas me reprocher que je ne disais pas que j'étais l'espion du KGB. J'ai mis le t-shirt du KGB pour venir à la journée sportive de l'ENA en 1982. et j'ai demandé à tirer au pistolet. Et on a pris cette photo. C'était pas très discret. Donc la DSC après, lorsqu'ils m'ont dit « Oh, vous nous avez caché des trucs », bah non, vous êtes cons, les gars. Et dernière question, est-ce que tu as déjà eu peur pour ta vie? Non. Non? Non. Jamais? Non. T'as pas peur pour ta vie parce que lorsque t'es dans le service, KGB, c'est quand même un monstre. Et y compris le monstre qui te rassure parce qu'il y a tous les moyens qui sont derrière. Si t'es dans la merde, il y a le service qui fera tout pour te sortir de la merde. D'accord. T'as jamais eu peur qu'on t'enlève ou après, oui. Ah si. Après, oui. Bah, maintenant, oui. Ah oui. Maintenant, oui. Parce que je me suis brouillé quand même avec mon service. Donc, du coup, maintenant, j'ai un statut de réfugié. Donc, du coup, je suis considéré comme un traître, même si je n'ai rien trahi. Hein. Parce que, en fait, j'ai quitté le service quand l'Union soviétique s'est disloquée, le KGB était dissous et le Parti communiste interdit. Donc, du coup, je n'avais plus le service pour lequel travailler. Donc, du coup, j'ai demandé la démission. Et tu as déjà eu des tentatives, justement, de... Ouais. T'as eu quoi, par exemple ? Il y en a eu deux. Il y en a eu deux. La première tentative, c'était là où j'habite. À un moment donné, j'entends parler... C'est une station, petite station d'habitude, où il n'y a ni russe, ni rien du tout. Enfin, c'est pas Courchevel. Hein. Et j'entends parler russe dans l'appartement mitoyen, à côté du mien. Je commence à faire une petite enquête. C'est un gars qui est venu de Suisse, donc il a fait 300 bornes pour venir dans cette petite station de merde, pour prendre un appartement de rien du tout. J'ai fait mon enquête. Le gars, il travaille pour JP Morgan, la première banque d'investissement américaine mondiale. Ça veut dire le gars, il gagne 20 000 balles par mois. Donc, il vient dans une toute petite station. Il prend un appartement de 16 mètres carrés. Si tu enlèves les chiottes, c'est 8 mètres carrés. Il vient avec ses deux fils. À trois, ils ont passé une semaine dans 8 mètres carrés. Il vient de Genève. Ouais, tu trouves ça bizarre. C'est un peu gros. C'est un peu gros. Et voilà. L'autre, c'était quoi? Et l'autre, c'est une Américaine. C'est juste après Skripal, après l'affaire Skripal. Donc, il y a une Américaine qui... Donc, je suis passé après Skripal. Je suis passé dans le complément d'enquête sur France 2. Et il y a une Américaine qui me contacte en disant, voilà, j'ai un blog de géopolitique. Est-ce que ça vous intéresserait d'intervenir? Je vous donne carte blanche, etc. Je vais sur son blog. Ça existe, effectivement. Elle invite des gens. Il y a même des gens célèbres qui sont venus chez elle. Mais je dis, on tourne quand et où? Et là, elle disparaît pendant 2 mois. Et le 29 juin, elle me rappelle en disant, voilà, le 4 juillet, c'est le jour anniversaire, enfin, c'est la fête nationale Independence Day américain. Et donc, vous venez chez moi et on tourne. Et je dis, mais on tourne où? Elle me donne l'adresse dans le 17e. Je regarde l'adresse sur Google. RIA Novosti, Russia Today et Sputnik. Il y a toutes les agences de Poutine qui sont dans cet immeuble-là. Ça veut dire que je rentre, mais je ne sais pas comment je vais ressortir. Donc tu n'es pas allé au rendez-vous? En fait, ce que j'ai fait, j'ai essayé de faire ce que Belmondo a fait dans le film Le Professionnel. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous l'avez regardé, c'est un film génial. Si, c'est un vieux film français. C'est un vieux film, mais... Mais explique pour ceux qui n'ont pas vu. À un moment donné, il vient au rendez-vous qui est piégé. Et quand il vient au rendez-vous, bien évidemment, tout est entouré par le service avec lequel il s'est brouillé. Et il pose la question à son ami, mais comment je sors? Et l'autre, il a dit, mais t'as pas compris, c'est fini, hein, t'es piégé, c'est foutu. Il dit, non, c'est pas foutu. Et donc là, il va à la fenêtre, il ouvre la fenêtre, et il y a toute la presse de Paris, Europe 1, TF1, RTL, qui débarque. Et lui, il sort sur le balcon en disant « Messieurs les journalistes, je rentre de vacances, je n'ai que des amis, donc il n'y a pas de raison que je me suicide en venant vous voir. » Et j'ai voulu faire la même chose. Donc j'ai contacté une trentaine de journalistes sur Paris. Il n'y en a aucun qui a eu des couilles de m'accompagner chez RIA Novosti et RIA Today. Moi, je ne serais pas allé non plus. Hein. Merci beaucoup. Oui,
aller prendre le livre du coup de Sergueï Zhirnov, KGB, DGSE, deux espions face à face, qui compare un peu les services secrets russes et français. Merci beaucoup, Sergueï. Bah, merci beaucoup. Merci, merci à vous. Merci beaucoup. C'est intéressant, hein, aujourd'hui. Intéressant. On se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau sujet avec un nouvel invité. Bisous, les copains.